Alors, salut, aujourd'hui on se retrouve sur la CPN Triton. Je souhaite aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un petit piège à poisson qui marche assez bien pour l'observation des poissons. Alors, il vous faudra juste un ciseau, un caillou, un bout de ficelle et une bouteille vide. Alors, vous allez couper la bouteille. Couper la bouteille. Comme ça. Vous mettez le caillou à l'intérieur. Vous remettez. Alors, il faut encastrer la partie. Voilà, comme ça. Comme ça, les poissons ne peuvent pas ressortir. Du coup, en fait, vous allez mettre des appâts à l'intérieur. Comme ça, les poissons rentreront par ça, enfin, par l'autre bout de la bouteille, et resteront piégés dans la bouteille sans pouvoir ressortir. À part s'ils arrivent vraiment passer, mais bon. Du coup, voilà, et maintenant vous avez la ficelle, et vous faites un nœud autour de la bouteille, et vous allez voir. Donc voilà, la ficelle est mise. Pour lancer à grande distance, et maintenant il ne manque plus qu'à faire des petits trous dans la bouteille, enfin pas trop gros quand même, pour que l'air circule quand vous le lancerez. La bouteille ne flottera pas à cause de l'air car elle sera évacuée par ces petits trous. Alors faites attention à ne pas couper la corde. Voilà, donc voilà, nous allons l'essayer. Donc voilà, nous allons l'essayer dans la petite mare pour voir ce que nous attrapons. Alors j'ai mis un peu d'amorce et du pain, du coup voilà, je vais le balancer et voyons voir ce qu'on va choper. Donc voici un poisson, c'est un petit carassin, un petit poisson rouge avec le piège là-bas, c'est là-bas. Alors j'en ai deux autres, j'avais pas de caméra, mais du coup lui j'ai aussi, je l'avais là. Voilà, alors c'est un piège assez efficace qu'on fait en 30 secondes. J'espère que ça vous aura plu.